From verse 18 to verse 24. Then he spoke his message, "Arise, Balak, and listen. Hear me, son of Zippor. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot change it. No misfortune is seen in Jacob, no misery observed in Israel. The Lord your God is with them. The shout of the king is among them. God brought them out of Egypt and have the strength of a wild ox. There is no divination against Jacob. No, slowly. There is no divination against Jacob. Yeah. No evil omen against Israel. Mm-hmm. Amen. It will now be said of Jacob and of Israel, see what God has done. Mm-hmm. The people rise like a lioness. They rouse themselves like a lion that does not rest till it devours its prey and drinks the blood of its victims. Yes. Amen. Thank you. Let it be read in French. Amen. Je lis la parole. Nombre chapitre 23, verset 18 à 24. Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Psippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. What is that said? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? What he has said and will he not do? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? As he said and will he not do? Alléluia. Demande à celui qui est près de toi, est-ce que ce que Dieu a dit, il ne fera pas? Ask the one near you. Will God not do what he has said? Continue. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. He has not observed iniquity in Jacob. Il voit point d'injustice en Israël. Nor has he seen wickedness in Israel. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le maudire. This is the reason why we can't curse him. Alléluia. Quand Dieu bénit, qui peut maudire? When God blesses, we can curse. Continue. L'Éternel à son Dieu est avec lui. Mm-hmm. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'Éternel est son roi, l'objet de son allégresse. The Lord is God is with him and the shout of a king is among them. The Lord is God is with him. And the shout of a king is among them. Okay, so this translation, another way, the reason of his glory, object of his joy. The object of his joy, l'objet de son allégresse. The object of his glee. Okay, glee, okay, continue. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Mm-hmm. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Wait first. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. God brought them out of Egypt. Il est pour eux la vigueur du bœuf. He has strength like a wild ox. C'est-à-dire Dieu t'a fait sortir du monde. It means God took you out of the world. Il est pour toi la vigueur du bœuf. Aïe aïe aïe. It's for you the strength of an ox. Dieu t'a délivré du monde. It means God has set you free from the world. C'est lui qui est ta force. Yes, sir. Amen. Dieu est fort pour toi. You might not be strong, yes, but God is strong for you. Actually, you don't have any strength, but you have the strength of God. Amen. Tu n'as vraiment pas de force, mais tu as la force en Dieu. He cannot set you free from the world. He cannot set you free and just abandon you. Il ne peut pas te délivrer du monde et t'abandonner comme ça. Non, ça c'est pas vrai. No, that's not true. Alléluia. Amen. Continue. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël.
au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Ok, hold on here. L'enchantement ne peut rien, sorcellerie ne peut rien contre toi. Amen. Amen. There is no witchcraft that can work against you. Amen. Répète à celui qui est prêt. No divination against you. Sorcellerie ne peut rien contre toi. Sorcellerie ne peut rien against you. Terminé. Le temps marqué. Au temps marqué. Cette time. Oui, qu'est-ce qu'on dit? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. On donne voyer. C'est un peuple. C'est-à-dire, Israël est un peuple qui se lève comme une lionne. Look, Israel is a people that stands up like a lion. Et qui se dresse comme un lion. And lifts itself up like a lion. De la même manière, le peuple de Dieu. In the same manner, the people of God. C'est un peuple qui se dresse qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un. In the same manner, the people of God is a people that stands like a lioness and rises like a lion. Et puis quoi? And what else? Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des disciples. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Et qu'il n'ait bu le sang de cette. It shall not lie down until it devours the prey and drinks the blood of the slain. Tant qu'il n'a pas fini son combat. As long as he's not finished his fight. Et voit la défaite de son ennemi. And seen the defeat of his enemy. Il n'arrête pas. It does not stop. Il n'arrête pas. It doesn't stop. Tant qu'il n'a pas fini un chrétien. As long as he's not finished. Il n'arrête pas. The Christian does not stop. Tant que tu es en train de prier pour un objectif. As long as you're praying for a goal. Et que tu n'as pas vu le résultat concret. And you haven't seen the tangible result. Tu n'arrêtes pas. You do not stop. Be patient. Be patient. Fiba, fibro. Bon, on va summarize. Alléluia. Donc ça, we're going to summarize it. We're going to paraphrase. La Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre toi. The Bible says sorcery cannot do anything against you. L'enchantement, foutement, ça peut rien contre toi. No divination against you. À condition que. And one condition. À condition que. Quand tu commences à prier contre ces choses. When you start praying against these things. Tant que tu n'as pas vu la victoire. As long as you don't see victory, you do not stop. Amen. Amen. If you stop. Ne dis pas c'est Dieu qui a échoué. Do not say it's God who failed. Si c'est clair. Is that clear? Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Amen. I don't know if it's clear. Father God, we thank you in Jesus' name. Père, nous te remercions au nom de Jésus. We pray for your Zoe to be released. Nous prions que ton Zoe soit relâché. For regeneration. Pour la régénération. For deliverance. La délivrance. For healing. Pour la guérison. For accomplishment. Pour l'accomplissement. For enlightenment. Pour l'illumination. For establishment. Pour l'établissement. For to edify. Pour édifier. To correct. Pour corriger. To adjust. Pour ajuster. And to make prosper. Et pour faire prospérer. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'ai dit ce que tu as dit là. I say what God has said. Il va accomplir ça. He will accomplish it. Quel que soit le temps. No matter the time. Si c'est Dieu qui t'a parlé. If it's God who has spoken. Je dis il accomplira. I say he will accomplish. Quel que soit le temps. No matter the time. Mais cette déclaration là, frère. But this declaration, brother. Révèle quand même une réalité. Reveals a reality. Mais selon laquelle beaucoup de gens. According to which many people. There are many people à qui Dieu a parlé. To whom God has spoken. Mais il semble que. But it seems that. Ça prend trop de temps. It's taking too much time. Il semble que. It seems that. Ils ne voient pas ce que Dieu a dit. They do not see what God has said. Il semble que ça prend trop de temps. It seems that it takes too much time. Et souvent le découragement se lève. And often discouragement rises. Souvent le découragement se lève. Often discouragement. Il y a la désolation qui menace. Often there's desolation that menaces. Alors que Dieu a parlé. While God has spoken. Alors que Dieu a parlé. Whereas God has spoken. Je ne sais pas si tu es dans ce cas. I don't know if you're in that case. Mais in that situation. Je veux te dire une chose. But I want to tell you one thing. Je veux te dire une chose. I want to tell you one thing. Que si vraiment Dieu t'a parlé. But if God has really spoken to et you. Et t'a révélé ces choses. If he has revealed these things. Soit dans un témoignage intérieur.
In a testimony, inward witness, soit par prophétie, soit par vision, songe, révélation, ou bien par un message, ou bien par une conviction, de n'importe quelle nature. Of any nature, il va accomplir ça. It will accomplish it. Il dit, il va accomplir. Alléluia. Amen. Mais on voit beaucoup de problèmes. But we see a lot of problems. Parce que ceux à qui Dieu a parlé, because those to whom God has spoken, très souvent, often, n'œuvrent pas. They don't walk à l'accomplissement de leur promesse. Towards the accomplishment of the promise. Donc ce soir, so tonight, nous voulons prendre cette histoire là. We'll take this story pour montrer to show que quand Dieu parle, that when God speaks, quand il te bénit, when he blesses quand you, il proclame sur ta vie, when he proclaims on your life, lui-même garantit cette faveur. He himself guarantees that favor. Je dis, quand une bénédiction, c'est une faveur qui est proclamée sur toi. When we say blessing, it's a favor that's proclaimed on you. Et Dieu, il dit, je suis Dieu pour garantir ça. And God says, I'm God to guarantee that. Alléluia. Amen. Il garantit ça. He guarantees that. Maintenant, deuxième partie. Secondly, je vais montrer, I will show, que pour que ça se manifeste, that for that to be manifested, tu dois travailler à ça. You need to work towards it. Tu dois travailler. You need to work. Parce que j'appelle une action de victoire persévérante. Because I call action a of victorious action of perseverance. Perseverance. A perseverant, victorious action. Amen. To see into accomplishment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà une histoire. So here's a story. Où le peuple de Dieu, where the people of God, qui a été délivré de l'Égypte, was delivered from Egypt, entrait dans sa terre, dans sa possession, allait dans sa terre promise, dans ce que Dieu a promis. Was going into the promised land, what Alléluia. God had promised. Mais leur avancée, but their going forward était was imminent. Les gens avaient peur qu'ils avancent. People were afraid when they were going forward. Parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Because they knew that God was with them. Les gens avaient peur. People were afraid. Alors quand un chrétien arrive, so when a Christian comes, on sait que Dieu est avec lui. You know that God is with him. Parce que quand il arrive dans des lieux, because when he comes into places, les choses qui ne sont pas fondées sur Dieu, things that are not founded on God, commencent à se disloquer. Start being dislocated. Les gens qui vivent pas bien, people who are not living, ils commencent à être gênés. They start being disturbed. Quand il arrive, même sa présence, when he comes, peut scaper beaucoup de médicaments. Mess up a lot of witchcraft. His countenance can mess up a lot of stuff. Amen. You see, when he comes, he can, without even speaking. Vous voyez quand il vient, même sans parler. His presence. Sa présence. Adjust people. Yes. Adjust people. Adjust les gens. That's why we don't like you sometimes. Amen. C'est pourquoi on ne vous aime pas beaucoup. That's why we don't like, like you sometimes. Oh, c'est pourquoi on ne vous aime pas parfois. The Bible says, I give them your word. La Bible dit, je vous ai donné ma parole. And the world has hated them. Et le monde les a haïs. Prêchez, pasteur. J'ai dit, je vais prêcher. C'est dit, on ne va pas trop t'aimer. They're not going to like you too much. Parce que tu as la parole de la lumière. Because you have the word of light. Quand tu arrives là, when you come, il y a des choses qui peuvent se gâter. There's some things that can be messed up. Il y a des démons qui sont dérangés. There's some demons that are disturbed. C'est comme ça Israël avançait. This is how Israel was going forward. Donc, quand Balak a vu ça, so when Balak saw that, il dit non. He says no. Les gens arrivent. These people are coming. Il faut aller les combattre. We have to go and fight them. Il allait les combattre. He went to fight them. Mais là, il a utilisé la stratégie qu'il a utilisée. So the strategy that he used, c'est d'aller chercher quelqu'un pour les maudire. Was to go and seek someone to curse them. He went to seek somebody to curse them before he entered into war with them. Il est allé chercher quelqu'un pour les maudire avant qu'il s'engage dans la guerre contre eux. Voilà un roi de l'ancien temps. So here's a king from the old times qui te révèle les enjeux du combat, de tout combat. Who reveals to you all the importance of all fights. All every war, warfare. Amen. Pour dire to say que tout combat that every fight doit être gagné d'abord sur le plan spirituel. Has to be won first on the spiritual level. Yes. Pour dire que tout combat to say that every fight doit être gagné sur le plan spirituel. That has to be won on the spiritual level. Il fallait que l'homme de Dieu la maudisse. You need it for the man of God to curse ses ennemis. His enemies. Pour que lui mène la camp. For him now. Parce que quand il allait maudire ses ennemis. Because when he was going to curse his enemies. Il se serait affaibli. He would have been weakened. Proclamer des paroles maléfiques sur eux. Proclaim
words of curses on them. De proclamer des paroles sur eux. To proclaim words on them. Pour les affaiblir. To make them weak. Parce que ces paroles là. Because those words. Il y a des esprits qui vont aller accomplir ces paroles. There's some spirit that will go and accomplish those words in their lives. C'est ça la malédiction. This is what the curse is. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont maudites de manière générationnelle. Unfortunately, many people are cursed in a generation from generation to generation. Beaucoup de personnes, many people, soit malédiction, on se marie pas chez vous, dans votre. With a curse that you don't get married in your family. Spirit of rejection. Esprit de rejection. Soit malédiction de toujours tu meurs sur une maladie spéciale. It's... Or curse that you always die on a special type of disease. Et à chaque fois le docteur dit mais ton parent avait quoi et puis ton papa avait quoi. Every time the doctor says. What did your family have? Your father, what did he have? Which kind of sickness he had? Quel genre de maladie avait-il? Which kind of sickness that your grandpa had? Quel genre de maladie ton grand-père avait? Plein de personnes sont sous une malédiction. Many people are under curses. Et or, une malédiction, c'est quelque chose qui est proclamé sur toi. Whereas a curse is something that's proclaimed on you. Mais il y a un esprit qui doit être, qui doit s'arranger ou qui doit s'évertuer à ce que ce qu'on a dit là, ça arrive dans la vie. C'est un démon. And there's a spirit, there's a demon that makes sure that what has been said happens in your for life. For every type of curse. Pour tout genre de malédiction. A contrario. In the contrary, une bénédiction, a blessing, c'est il faut qu'un ange qui doit s'arranger à ce que la faveur puisse se manifester dans ta vie. For a blessing, there needs to be an angel to work so that favor be manifested in your life. Alléluia. Amen. C'est ce que l'homme, c'est ce qu'il accomplit. This is what the man understood. Tout combat doit être gagné d'abord sur le plan spirituel. Has to be won first on the spiritual level. Ça a été démontré déjà. It was already demonstrated. Dans la guerre entre Israël et puis Amalek. It was demonstrated already in the war against Israel and Amalek. Il a fallu que Moïse aille sur la montagne. They needed for Moses to go on the mountain. Et quand il lève le la verge. And when he draws his rod. Josué était vainqueur dans la vallée. Joshua was winning in the valley. Quand il abaisse la verge. When the rod was going down. Mais Josué était vaincu dans la vallée. Joshua was defeated Israel. In the valley. Israel was defeated. Pour dire que. To say that. La victoire du peuple de Dieu. The victory of the people of God. Dépend d'une action spirituelle de prière. Depends on a spiritual action of prayer. C'était encore plus concret avec Daniel. It was even more concrete with Daniel. Il a prié. He prayed. La Bible le même jour. The Bible says the same day. Où son cœur était disposé. Where his heart was available. Dieu a répondu. God answered. Et un ange est venu avec la réponse. And an angel came with the answer. Mais frère. But brothers, il y a un autre ange. There's another angel. Mais un ange diabolique. A diabolical angel, rather. Qui contrôlait la ville où Daniel était. Who was controlling the town where Daniel was? Comme New York ici, il y a des démons qui sont sur chaque territoire. Like in New York here, there's some demons on every territory. Comme sur chaque famille, il y a des démons qui sont là, chaque famille. As on every family, there's some demons that are on every family. Et dans la ville de Daniel. And in the town of Daniel. Le démon qui régissait là-bas. Demon, the master demon that was working. Il allait bloquer la bénédiction de Daniel en l'air. He went to block the blessing of Daniel in the air. Mais Daniel, but Daniel, il connaissait ce principe. He knew that principle. Il n'a pas arrêté de prier. He did not stop praying. Il est resté en prière jusqu'à ce qu'un autre ange, until another angel, vienne délivrer celui-là. Came to deliver that one. Et jusqu'à ce que la bénédiction s'aggrave. To the point that the blessing came to him. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté vite les prières. There's so many people who stop praying quick. Aujourd'hui, ils sont devenus aigris. And today they became bitter. C'est pas grave, ça va changer. Dis à quelqu'un, son mari, il va changer. Dis à quelqu'un, ça va changer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout combat commence dans le spirituel d'abord. So every warfare starts in the spiritual level first. Alors, ça fait que le monsieur, il allait prendre quelqu'un pour maudire. So the man went to get someone to curse. Mais je vais te dire pour toi qui es chrétien. But I'm going to tell you for you as Christian. La Bible dit. The Bible says. Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction. Jesus Christ has redeemed you from the curse of the law. Jesus Christ has redeemed you from the curse of the law. Amen. Jésus-Christ a himself la became a curse for you. Lui-même est devenu une malédiction pour vous. Mais quand on dit malédiction de la loi, c'est mauvais, frère. When you say curse of the law, that's bad, brethren. Bon, attendez. Listen. Je vais lire ce qu'on appelle curse of the Lord. I'm going to read what we call curse of the Lord. Je vais lire un peu.
I'm going to read a little. It's Deuteronomy chapter 28. C'est dans Deutéronome chapitre 8. From verse 18. Du vers, à partir du verset 18. Curse of the law. La malédiction de la loi. Deutéronomy chapter 28. Deutéronome chapitre 28. From verse 18. À partir du verset 18. I don't like it, but I'm just read to let you know what you have to avoid. Je n'aime pas ça, mais je dois lire pour vous montrer ce que vous devez éviter. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle. Non, attendez. Non, 28. Wait. 28, yeah, 28. 28. 28 and 18. Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tes enfants. Cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land, the increase of your cattle, ton and travail, the offspring of your flocks. L'argent que tu sors là. It means your children, your work, your, tout ce que tu your fais. Money that comes out. Everything that you do are cursed. Non, ça c'est pas toi. Dis ce qui est non, that's not you. Non, c'est pas toi. No, that's not you. On te dit tu seras maudit à ton arrivée et tu seras aussi maudit à ton départ. Cursed shall you be when you come in and cursed shall you be when you go out. This is not you. Il y a quelque chose, ce ne sera pas toi. On dit l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. The Lord will send on you cursing, confusion and rebuke in all that you set your hands to do. This is not you at all. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle se consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. The Lord will make the plague cling to you until he has consumed you from the land which you are going to possess. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. The Lord will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever, with the sword, with scorching, and with mildew. Je veux pas continuer de lire. I don't want to continue reading that. Je veux même pas entendre ça. I don't even want to hear that. Malédiction de la loi, c'est tout ce qui est mauvais. The curses of the law is everything that's bad. Est-ce que vous voyez? Do you see? Mais la Bible dit. But the Bible says. Quand Jésus allait sur la croix. When Jesus went on the cross. On dit maudit soit celui qui est mort au bois. It's a curse be he who died on the stick. On the tree. On the tree. Il a pris toi tes malédictions. He has taken your curses. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire tout ce que tu constates sur ta vie. It means everything that you notice on your life. Qui semble être une malédiction. That seems to be a curse. C'est que c'est illégal. It means that it's illegal. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Anything that you see upon your life. Tout ce que vous voyez sur votre vie. That seems to be the result of a curse. Qui a l'air d'être le résultat d'une malédiction. You have to refuse it in Jesus' name. Vous devez refuser le nom de Jésus. See, vous voyez? One thing is to do something legal. Une chose est de faire quelque chose de légal. Jesus did it. Jésus-Christ l'a fait. But another thing is to reinforce it. Mais une autre chose est de le renforcer. Amen. Explain what I said. I just said to someone. Expliquez ce que je viens de dire à votre voisin. Reinforcement of what? Of what Jesus Christ did. Jesus Christ. Renforcement de ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Donc il a pris un homme de Dieu pour aller faire ça. So he took a man of God to go and do it. Mais c'est vrai, les hommes de Dieu ont l'autorité dans leur bouche. But it's true that the men of God have an authority in their mouth. La Bible dit, je confirme la parole de mes serviteurs. The Bible says, I confirm the word of my servant. Et j'accomplis les prédictions de mes envoyés. And I accomplish the prediction of those that I sent. Donc il savait ça. So he knew that. Il dit, toi qui es homme de Dieu. He said, you who is a man of God. Va parle mal contre ce peuple. Go and speak badly against these people. Et moi. And me, maintenant je vais les attaquer. I will then fight them. Mais gloire à Dieu. But glory to God. Pour ici on parle pas mal. Here we don't speak bad. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a empêché ça. So God
prevented that. Il a envoyé un ange pour empêcher ça. He sent an angel to prevent that from happening. Parce qu'effectivement, s'il parlait mal. Because truly, if he spoke badly, ça n'allait pas être bon. It wouldn't be good. Voilà pourquoi c'est important. This is why it's important. De ce n'est pas s'exposer à la bouche d'un homme de Dieu. This is why it's very important to not expose yourself to the mouth of a man of God. Ça, si on peut dire ça. Can we say that? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça? Can we say that? Est-ce que c'est biblique? Is that biblical? Amen. Parce que regarde, le fait que tu Because look. Le fait que tu n'aimes pas entendre ça, ça n'enlève pas ça de la Bible. The fact that you don't like to hear it, that doesn't remove it from the Bible. Je dois dire pour qu'on soit préventif. I have to say it for us to take preventive measures. Il y a des enfants qui sont moqués de lui. There's some children that mocked Eli. Il les a maudits. He cursed them. Un lion qui les a dévorés. And a lion devoured them. Grand Eli. Great Eli. Où est ça? You see that? Parce que il était méprisant dans la cité. Because he was despised in the city. Où est ça? You see that? Il fuit devant Jézabel, tout ça. He ran away in front of Jezebel. Donc certains aussi le prenaient comme ça fait rien. So a few people were taking him lightly. They were despising him. Et les enfants aussi ont reproduit ce que les parents disaient en douce dans les maisons. And the children also reproduced what the parents were saying in the comfort of their homes. Mais on n'aura pas ça ici. But we will not have it here. Celui qui n'aura pas ça ici. Tell the one here, we will not have it here. Alléluia. Amen. Mais cet homme aussi avait un peu de corruption quelque part. But that man also had a little corruption somewhere. Ah! Parce que Balak dit, viens, tu as fait ça, là, je vais t'honorer. Because Balak said, come and do this so I can honor you. Dieu lui a dit non. God told him no. Balak est venu, il a doublé l'honneur. Balak came and doubled the honor. Envoyer des gens. Send people. Il va encore demander à Dieu. Even he goes to ask God again. Dieu dit, bon, va-t'en. God said, go ahead. Mais en allant, il voit l'ange de l'Éternel devant lui. But while he was going, he saw the angel of the Lord in front of him. Le bloqué. To stop him. Pour le bloquer. To stop him. Dieu t'a déjà dit non. But God already told you no. Pourquoi tu viens encore? So why are you coming again? Question. Question. That's the question. Alléluia. Amen. Donc c'est pour manipuler Dieu. So it's to manipulate God. On ne manipule pas Dieu. You do not manipulate God. Cette fois-ci Dieu l'envoie maintenant pour faire le contraire. And this time God sent him to do the contrary. Alléluia. Amen. Mais quand il voulait aller, quand il avait l'intention de maudire, un ange est venu là. So when he had the intention to curse, an angel came right there. Alors parce que le peuple de Dieu marchait selon la conduite de l'Éternel. Because the people of God was walking according to the guidance of the Lord. Donc, si tu marches selon la conduite de Dieu. So if you walk according to God. Ah frère. Brother. L'ange est là pour t'empêcher n'importe quelle malédiction de se consommer sur ta vie. The angel is there to prevent from any type of curse to be consumed on your life. If you walk in the shadow of God. Si tu marches dans l'ombre de Dieu. There is an angel of God that will come and stop any curse to be consumed dans ton corps pour ton life. Il y a un ange de Dieu qui viendra pour empêcher toute malédiction de se consumer dans ta vie. Dieu n'a, il ne blague pas ça. Consumer. God doesn't play with that. Alléluia. Amen. Donc l'ange, la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. So the Bible says the angel of the Lord encamps around those who fear God. Donc si toi tu cultives la crainte de l'Éternel. So if you cultivate the fear of the Lord. Dieu va montrer ce fidèle. God is going to show himself faithfully. Il va camper autour de toi. He will encamp around you. Alléluia. Amen. N'importe quel homme de Dieu qui va parler, ça sera sans cause. Mais Dieu va venir te back up. Men of God that will come and speak, it will be in that cause because God will be there to back you. La crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. C'est-à-dire faire tout pour plaire à Dieu. It means do all to please God. S'arranger pour plaire à Dieu. Manage to please God. Dis à celui qui est près de toi, je veux plaire à Dieu. Tell the one near you, I want to please God. Alléluia. Alors maintenant vous voyez. So now you see. On dit mais pourquoi? C'est, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Why can't we curse what God has blessed? Dieu dit je suis leur force. Because God says I am their strength. Il dit je ne vois pas d'iniquité en Israël. He said I do not see iniquity in Israel. Quand un enfant de Dieu est dans la repentance. When a child of God is in repentance. Et que Dieu le regarde. And that God looks at him. Il ne voit pas de péché. He does not see any sin. Parce que c'est Jésus-Christ qui vient pour être sa justice. Because it's Jesus Christ who comes to be his righteousness. La Bible dit. The Bible says. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ lui seul qui est homme.
The Bible says there's only one intermediary between God and man, Jesus Christ himself, the Lord. So when you look at a Christian, qu'il soit faible ou qu'il soit en haut, whether he's weak or not, tant qu'il est repentance, as long as he's a repenting Christian, c'est Jésus-Christ qui se tient là devant lui. Jesus Christ is standing in front of him. Amen. Yes. Alors, so you don't mess with a small and little Christian. No. Donc, il ne faut pas provoquer un petit chrétien. Because Jesus Christ is his righteousness. Parce que Jésus-Christ est sa justice. It's covering. Il le couvre. Alléluia. Tell to somebody you're the big brother at the right hand of God. Dis à quelqu'un, tu es un grand frère à la droite de Dieu. Hey, you don't mess with him. Alléluia. On ne provoque pas. Dans la non. You see? Vous voyez? On veut voir ce que ça veut dire. We want to see what it means. Que la divination ne peut rien contre Israël. That divination cannot against Israel. On veut voir comment un chrétien est protégé de la sorcellerie. We want to see how a Christian is protected from witchcraft. On veut voir comment un chrétien est protégé d'une malédiction qui peut dire pas comme ça sur toi et puis ça va t'arriver là. Non. We want to see how a Christian is protected from a curse like that. People speak and it can affect you. No. We want to see that. On veut voir ça. On dit d'abord Dieu est la justice. Now we say God is the righteousness. Toi ta part. So your share. Quand tu te sens dans les histoires bizarres. When you feel yourself in bizarre situations. Demande pardon à Dieu. Ask for forgiveness to God. Si quelqu'un est inclus, demande lui pardon. If someone is included, ask for forgiveness to that person. La Bible dit tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. The Bible says you do not have to fight against flesh and blood. Un chrétien ne se défend pas lui-même. A Christian does not defend himself. Tu te défends pas toi-même. No, you do not defend yourself. C'est Jésus-Christ qui est ta défense. It's Jesus Christ who is your defender. Toi, tu veux être en paix avec tout le monde. You want to be in peace with all men. Alléluia. Amen. La Bible dit, as long as it depends on you. La Bible dit, autant que cela dépend de toi. Seek to be in peace with everybody. Recherche la paix avec tout le monde. Répète à celui qui est près de toi. Repeat it to your neighbor. Alléluia. La Bible ne rendait pas le mal par le mal. The Bible says, do not repay evil for evil. Ça veut dire qu'on t'a fait du mal. It means, so evil was done to you. Dieu même sait qu'on t'a fait du mal. God himself knows that some evil was done to you. Les anges savent qu'on t'a fait du mal. The angels know that. Tes frères et tes sœurs même ont vu qu'on t'a fait du mal. Your brothers and sisters themselves have seen that you went on wrong. Toi-même tu as vu qu'on t'a fait du mal. You yourself you've seen it. Dieu dit ce mal. God says that evil. Faut pas dire, on va voir à son tour, j'attends. Do not say, we'll see. I'm waiting for him. For his turn. I'm going to show you also. Non, faut pas rendre le mal par le mal. No, do not repay evil for evil. Est-ce que ça c'est biblique? Is that biblical? Amen. C'est biblique. Is that biblical? Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est comme si toi tu fais là, tu vas salir tes mains. If you do it yourself, you're going to dirty your hands. Comme David. As David. David a sali ses mains en tuant les gens. David dirtied his hand by killing people. Il ne pouvait plus construire la maison de l'Éternel. He could no longer build the house of the Lord. C'est toi qui es dans la paix, là, comme It's Salomon. It's you who is in peace, like Solomon. That can build the house of God. Qui peut construire la maison de Dieu. Dis à celui qui prend, Dieu veut t'utiliser, ne rends pas le coup. Tell your neighbor, God wants to use you. Do not repay evil. Il y a plusieurs manières de rendre le coup. There are many ways to repay.